Le vieux, assalamu alaikum. Il dit Allah san alaikum salam. Ça, c'est l'observant. Je ne sais pas si je me suis trompé. Bonjour, cher ami, bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes là? Ouais, vous êtes venu pour la succession? Non, non, pas une question. Moi, c'est non. Vous êtes qui pour M. Bamba? Non, je suis un homme politique. M. Assemia Jean-Claude, mais vous pouvez m'appeler Déborah. Venez. Un homme politique? Oui, j'ai mon parti. Alors, donc, comme j'ai appris qu'il veut devenir. Qu'il est en retraite. Oui, oui, si, à la retraite, il doit aller au village pour gérer le village. Parce que de plus en plus, on a besoin de chefs intellectuels. Voilà, mais le côté humour et tout, il veut léguer ça à des jeunes. Tu es intéressé? Non, moi, je sais pas, je m'en fous de l'humour. Moi, je ne suis pas dans leur connerie là. Moi, sa région, je dois implanter ma base, une base de mon parti dans sa région. Et il m'intéresse véritablement. Ah, viens, viens. C'est-à-dire que Bamba Bakary, le chef au village, tu veux qu'il représente ton parti au village? Tout à fait. Est-ce que les chefs font la politique? Mais bien sûr. Comment ça? Ils font la politique. Et pourquoi ils prennent leur argent? Les chefs prennent l'argent des politiciens. Et puis, ils nous intéressent parce qu'ils rassemblent du monde. Donc, où il y a du monde, nous, ça nous intéresse. Et voilà. Quelle est la vision de votre parti? Quels sont vos objectifs? Et vous revendiquez combien de militants? Nous, on veut toute la Côte d'Ivoire. Mon parti, c'est l'Alliance Nationale pour l'Unité et la Solidarité. En abrégé, l'ANUS. Alors, restez concentrés, s'il vous plaît. Ça ne va pas me plaire. Alors, l'ANUS est un parti, je vous explique. L'ANUS n'est ni de la gauche, ni de la droite. L'ANUS, il est au centre. Alors, non, restez concentrés. Non, si vous riez, je ne vais pas. Voilà. Donc, c'est un nouveau parti que nous avons mis en place pour sortir les Ivoiriens des ténèbres, pour les envoyer vers la lumière. Vous voyez? La couleur de l'ANUS, c'est le rouge, comme vous pouvez le constater. Alors, donc, nous, on est en train de travailler progressivement parce que ce pays est en train de perdre ses valeurs. Vous voyez? Et il faut un parti comme l'ANUS pour redorer le blason ébugnéen. Il n'y a plus de valeurs. Vous voyez, les enfants, la dernière fois, alors, moi, j'ai vu un jeune homme qui allait à la boutique s'acheter une boîte de yaourt. Alors, il enlève le couvercle et il le jette à terre. Vous voyez comme il est mal élevé, il l'a jeté à terre. Et moi, ça m'a choqué. Il faut d'abord le laver avant de le jeter. Le pays est en train de perdre ses valeurs. Voilà pourquoi l'ANUS... Et une fois aux affaires, je vous explique notre programme déjà, hein, brièvement. Hein. Bonsoir, madame. Je suis M. Jean-Claude, président de l'ANUS. Ça vous va? Alors, donc, une fois aux affaires, nous allons mettre en place un centre universitaire international, le CUI. Alors, madame, moi je vous faisais confiance. Non, moi je vous faisais confiance jusque-là. Donc restez concentrés. OK? Alors, je vous explique. Alors, le CUI, c'est quoi? C'est un centre universitaire international, un énorme CUI que nous allons placer au sein de la Côte d'Ivoire. Et autour du CUI, nous allons créer des programmes officiels pour les inscriptions en ligne, des poils. Alors, si vous n'êtes pas concentré, on ne va pas s'en sortir. Alors, vous allez voir tous ces poils autour du CUI. Mais, madame, je vous avais dit quoi? Alors, vous continuez, moi, je m'en vais. Hein? Qui est en train de rire, les mecs, comme ça? Alors, je profite pour lancer un appel. Hein? Moi, je suis célibataire pour le moment. J'étais marié à une femme du là. Elle est partie, voilà, elle n'est plus là, elle ne m'a pas trouvé assez élégant, elle est partie, et ça m'a choqué. En fait, je n'ai rien contre les doulas, hein. Moi-même j'adore le désordre, mais... Non, n'applaudissez pas trop à ça, il ne faut pas trop applaudir à ça, ça peut... voilà. Alors donc, on me propose une femme baoulée, là aussi je suis en train d'hésiter, les femmes baoulées aussi c'est pas mal, mais je n'ai rien contre les baoulées, moi-même je suis tout le temps saoulé, mais non, il ne faut pas, vous n'ayez pas des intentions obscures derrière ce que je dis. Alors, je suis en train de viser vers l'ouest, mais pas les bêtés, voilà. Les bêtés, pour le moment, bon, ça aussi, je n'ai rien contre les bêtés, moi-même j'adore les divorces, mais...
Vous voyez, monsieur Assemblée Jean-Claude, c'est l'élégance. Et comme je suis un partisan de la non-violence, parce que moi je n'aime pas me battre, je trouve quand même que c'est assez bizarre, je vois des gens en train de se taper. C'est con, à la limite. Moi je n'aime pas me battre. Je me suis battu une seule fois dans ma vie. Hein, et le gars, là, il a poussé le pion un peu trop loin. Figurez-vous, il m'a traité de n'importe quoi. Voyez-vous, quand on vous dit chien, au moins je vous ai situé. Salopard, vous savez de quoi il s'agit. Mais n'importe quoi. En fait, c'est l'ensemble de toutes les merdes que le gars a réunies en vous. Je ne peux pas accepter ça. Alors là, je l'ai roulé à terre, je l'ai tapé là, les gens sont venus nous séparer. Moi, j'ai pris ma route, je suis parti. Lui aussi, il a pris son fauteuil roulant et il est parti. Alors, donc, l'ANUS, c'est un grand parti. Et en matière d'économie, nous allons mettre au plateau une grande banque. La Banque Ivoirienne du Travailleur, la BIT. Alors, je vous explique. Oui, oui, la BIT, on va placer ça, un énorme BIT au plateau, pour permettre... Vous voulez, vous êtes intéressé? On va mettre ça au plateau. Si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci. Moi, je cherche des dirigeants, hein? Je cherche des militants. Et voilà, donc, une fois la BIT en place, il y a souvent des journalistes qui me posent des questions. Monsieur Assemblée Jean-Claude, quelle sera la place de la BIT à l'intérieur de l'ANUS? Bien, je vous explique. Bon, voilà, moi, si c'est... Non. Écoutez. Non, si vous continuez comme ça, moi, je m'en vais. Je suis en train de vous égrener mon programme de société. Voilà, donc, nous sommes en train de travailler progressivement. Voilà pourquoi je suis venu voir M. Bembert. Et je crois qu'on m'a donné quelques temps, j'aurais 5 ou 10 minutes là, je ne sais pas, j'ai déjà fait 5 minutes. Alors, il faut être bref comme un coq. L'efficacité, vous voyez, le coq, quand il monte, il ne dure pas. Il descend et 9% naissent. Vous voyez, c'est l'efficacité. Alors, donc, nous sommes en train de lutter pour que cette Côte d'Ivoire-là, c'est une Côte d'Ivoire d'exemplarité, que les gens aient l'envie de venir dans ce pays. Et surtout au niveau des femmes. Moi, je n'arrive pas à comprendre les femmes souvent. La dernière fois, j'étais dans le bus, là, et il y a une femme qui avait son bébé et puis son sac à main. Elle me dit, « Monsieur Assemblée Jean-Claude. » Je dis, « Oui, madame. Écoutez, tenez mon sac, je vais sortir mon sein pour donner à téter à mon bébé. » Non, je dis, « Madame, ce pays est très risqué. Si moi, j'attrape le sac, que quelque chose se perd par hasard dans le sac, vous allez me taxer de voleur. Permettez-moi de sortir votre sein, là, pour mettre dans la bouche du bébé. » Et elle m'a giflé. Mais je n'arrive pas à comprendre les femmes. Vous voyez? Alors, donc, si j'ai des militants, je crois, j'ai assez de militants, je crois qu'elle est déjà intéressée par mon parti, lui aussi, et le monsieur là, qui est intéressé par la BIT. Alors, donc, n'hésitez pas à me contacter avant de partir. Je voulais souhaiter que ce pays, la Côte d'Ivoire, cette année-là, soit un pays heureux et merveilleux, et non un pays malheureux et mafieux. Un pays en charme avec ses gendarmes, et non un pays en larmes avec des gens en armes. Un pays avec une police qui patrouille et qui se débrouille, et non un pays avec une police qui sème la trouille et nous dépouille. Ben, s'il y a des policiers dans la salle, c'est juste un sketch. Hein? Non, il faut cette précision et détail. Voilà. Une année de transfert d'argent au pays, et non une année de transfert des gens à la CPI. Ça, nous ne veut plus voir ça. Enfin, une année avec beaucoup de femmes qui accouchent et non une année avec beaucoup de maris qui découchent. Bonsoir, Assemblée Jean-Claude. Alors, je crois que c'est convaincant. Les gens, ils ont aimé. Tous ces sont mes militants. C'est bon? Oui, ça va. C'est la démocratie. C'est la démocratie. La transparence. Oui, la transparence. Okay, d'accord. Merci. S'ils viennent, n'hésitez pas. Hein, donnez-lui ma carte de visite et qu'ils me donnent quand même une occasion. Mais je n'ai pas de quoi partir. Je suis venu à Truclair. Il peut avoir moyen 2000. Hein. C'est le transport. Avais-tu ce que tu as dit là? Mais oui, mais c'est un nouveau parti. Nous n'avons pas encore des moyens.